Bonjour Franck Samuel, comment nous est? C'est JFL Cuisine Creole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est là avec nous. Je dis merci pour confiance, merci pour fidélité. Aujourd'hui, je vais préparer pour nous un petit risotto aux tomates et épinards. Pour faire un petit risotto pour nous, tout ingrédient là, nous avons gardé ensemble avec nous, mais je vais mettre une par une pour nous concentrer sur ce chaudier à pito. Pour faire pour nous, je vais répéter chaque quantité de choses que je vais mettre. Et après ça, en bas de cette là, m'a écrit quantité exactement. On besoin d'une belle cuillère de beurre. Une fois que le beurre la fond, moi mettez deux belles cuillères d'oignon en cube sur là-dedans. Et en même temps, moi tout mettez une cuillère de l'ail là-dedans. Une fois que l'oignon et l'ail bien sué, pas oublier m'a fait un risotto pour nous là. Hein? Mais moi gagne une tasse de riz là que j'ai déjà lavé déjà. Mais moi prends un du riz là qui a un gros grain pour me faire risotto même son du riz qui est arborio. OK? Moi prends du riz arborio là qu'on a la moi déposer là-dedans. Qu'on a la m'a brasser de temps en temps. Qu'on a là pour une tasse de riz là. C'est même jus de tomate nous acheter dans l'épicerie, d'accord? Nous avons 3 tasses là, ok? Qu'on a mis un tiers là-dedans. Qu'on a la ma brasseli. Na ma brasseli là jusqu'à ce qu'elle absorbe la première couche de tomate là. Faut pas jamais lâcher la brasseli. Dès que je me sens que l'eau a commencé à sécher, je vais ajouter encore là-dedans. Toujours pendant que je brasse. Hein? Je ne vais pas suspendre le brasse. Je vais brasser tout le temps. Là. Je reste encore qui était là. Il faut que je me sécher au complet pour me mettre le reste. Là. Normalement, dans la culture, pas nous-mêmes, nous ne parlons pas du repas. Mais normalement, yon bon risotto réussi pour nous dire succès pour les pâtes. Comme nous sommes capables de constater, là maintenant, l'eau a fini de sécher. Elle dit liquide là, elle nous dit liquide plutôt. Qu'on a mis la dernière couche liquide là. Toujours en brassant, hein? Toujours en brassant. Qu'on a là, nous gardons nous presque fine sèche net. Qu'on a là même venu avec une petite cuillère de pâte tomate, moi mettez là-dedans. Et puis je continue à brasser toujours. Waouh, ça là c'est un vrai. Nous gardons ouais c'est déjà un bon réussi. Parce que là il coule en bas même là. Qu'on a là gardé pour nous là, déjà un petit genre de pâte là, ok. Qu'on a là ça me fait, moi diminuer du feu moi. À 4,5. Qu'on a la moi mettre les ingrédients. Qu'on a ça c'est tomate concassée, moi mettre demi tasse de tomate concassée. Pas oublier recette tomate toujours écrit en bas vidéo pour nous. Puis ça lui même c'est 40 g de épinard que me dit nous moi couper en petit morceau qui égal à une tasse, OK. Et là lui même moi mettre une tasse de fromage parmesan. Fromage parmesan en Haïti vraiment fromage tête de mort là, il est capable de jouer rôle là très bien. Nous tout mettre là-dedans. Qu'on a fait dernier brassage avec tout ingrédient qui fait c'est un risotto aux tomates et épinards. Dire dès que moi mettre dernier partie, moi diminuer du feu. Hein. Et voilà. C'est ça qui risotto hein. Voilà, waouh, ça doit être bon mec. Donc on a là moi qui dernière chose pour me faire qu'on a moi la saisonnel moi mettre une petite cuillère de sel moi mettre poivre ben oui c'est ça risotto oui c'est mieux et voilà c'est parfait ça c'est excellent qu'on a là si toutefois ou même on gagne petit tomate séché ou tu veux aimer ces tomates séchées on mettez là dedans qu'on a là c'est déjà prêt c'est bon on a fini faire risotto qu'on a mettre fou moins à 2,5 qu'on a mal mettre en couverture sous lui on a la poussi gon petit grain de bal qui ont dit qu'on a pour capable venir bien cuire là OK qu'on a mal mettre en petit couverture sous lui
Après une quinzaine de minutes comme ça encore, à deux, moi je viens là-dedans. C'est toujours pareil, bien collé. C'est prêt là, c'est cuit là. Ouais, son bail qui cuit. C'est ça que c'est toi. Dans ma panique, juste garder pour moi si du riz, grand du riz, s'il cuit. C'est grand du riz qui est intéressant. C'est parfait. Oh, c'est vraiment délicieux. C'est très très bon. Fromage là, pas trop là-dedans. C'est excellent. Quand on a la main transvide dans un bol. Ok. Pas oublier que c'est un petit risotto lié. C'est automatique de fait. C'est chaud qui va mettre sur table là. Donc, ou pas qu'à décorer là avec n'importe quoi. La seule chose qu'on est capable de mettre, me suggérer nous, c'est une série de petites tomates cerises qui est bien beau. Entier, hein? Parce que si vous mettez ça qui ou coupé, qu'on a le droit de faire de l'eau sous lui, c'est pas bon. On a le mettre l'entier comme ça, si vous venez là, nous prenons cuillère avec tout un petit grain de tomate, ça va faire rien. D'accord? C'est très très bon, hein? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi. Votre chef à la maison qui est rentré là avec nous. Merci, au revoir.